Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, une sonde autour de Mercure, un reptile aux dents de sabre, du sperme reconstitué et des instruments de musique inattendus. Après avoir parcouru 8 milliards de kilomètres, la sonde américaine Messenger vient de se placer en orbite autour de Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Elle effectue actuellement quelques essais d'instrumentation et devrait d'ici quelques jours commencer sa mission scientifique. Messenger n'en est pas à sa première rencontre avec Mercure. Lancée en août 2004, la sonde a déjà effectué 3 survols de la planète en 2008 et 2009. Des survols très brefs, mais qui auront néanmoins permis de récolter de nombreuses données scientifiques et la réalisation d'une cartographie quasi complète de la planète. Il faut savoir qu'avant 2008, seuls 45% de la planète étaient connus. Désormais en orbite, la sonde va pouvoir compléter cette cartographie et aussi étudier plus en détail la géologie et la physique de cette planète encore mal connue. Si je vous parle de dents de sabre, certains penseront immédiatement aux personnages de fiction de l'univers Marvel, d'autres plus simplement aux tigres de la préhistoire. Il est pourtant ici question d'un autre animal. Au Brésil, une équipe de paléontologues vient en effet de découvrir le crâne d'un thérapside de 260 millions d'années. Un reptile herbivore, ancêtre des mammifères, possédant des canines longues comme des crayons. Visiblement peu fonctionnelles, ces dents devaient surtout servir à effrayer les prédateurs, un peu à la manière du chevrotin porte-musque qui vit aujourd'hui dans l'Himalaya. Tout aussi étonnant, ce thérapside disposait de dents situées au fond du palais, qui se remplaçaient au fil du temps. Mais les chercheurs ont surtout pu mettre en évidence qu'une fois la mâchoire fermée, les dents du haut s'emboîtaient parfaitement avec celles du bas, autorisant une mastication d'une grande efficacité. Cette caractéristique, appelée occlusion dentaire, était surtout connue chez les mammifères. Voici la preuve qu'elle existait aussi chez leurs lointains ancêtres. En leur permettant de consommer des plantes fibreuses, dont les autres animaux étaient incapables de se nourrir, cette particularité a sans doute permis aux thérapsides de conquérir de nouvelles niches écologiques. À l'université de Yokohama, au Japon, des chercheurs ont réussi à créer en laboratoire du sperme fertile, à savoir des spermatozoïdes de souris totalement fonctionnels. Cela fait déjà plusieurs décennies que les scientifiques tentent de parvenir à cet exploit, mais sans succès, notamment à cause d'un problème rencontré lors des dernières étapes de maturation du spermatozoïde. Or, les chercheurs japonais se sont rendus compte qu'en modifiant les conditions de culture, ils pouvaient contourner cet obstacle. En cultivant des fragments de testicules immatures de souris dans un liquide nutritionnel généralement utilisé pour la culture de cellules souches embryonnaires, les biologistes ont constaté que les spermatozoïdes arrivaient à maturation et étaient capables de produire, après fécondation, des souriceaux en parfaite santé. Des spermatozoïdes avaient déjà été produits pour quelques rares espèces de poissons, mais c'est la première fois qu'un tel résultat est obtenu chez un mammifère. Les auteurs estiment que cette nouvelle étape pourrait permettre de lutter de manière plus efficace contre l'infertilité masculine. Le 15 mars dernier, des chercheurs de l'IRCAM ont reçu le premier prix de la Georgia Tech for Music Technology. Pourquoi ? Pour ça. Mais rien à voir avec de la cuisine. Depuis 3 ans, cette compétition internationale récompense la création de nouveaux instruments de musique. Et ici, l'instrument se trouve en haut à gauche de l'image. MO, il s'agit d'un objet modulaire capable de transformer n'importe quel objet environnant en instrument de musique. Les MO sont équipés d'un gyroscope 3 axes et d'un accélérateur 3D qui permettent de capturer la moindre subtilité d'un geste. Ceci ouvre une nouvelle piste de création musicale. Avec ce type d'instrument, il ne s'agit plus de déchiffrer et d'interpréter avec finesse une partition, mais de manipuler avec talent une matière sonore ou musicale, de ne plus jouer seulement d'instruments, mais de jouer avec le son. Thank you.
Aujourd'hui, ces modules en phase de pré-production sont en test dans une école parisienne. Et très bientôt, ils feront partie du catalogue d'une société qui diffuse des instruments de contrôle numérique pour la musique. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.